Le piège de nos croyances, on y croit. C'est fort, hein? On est convaincu et on ne la remet pas en question, cette croyance-là. Alors, on va regarder avec une formule très simple, trois questions très simples. Comment on peut remettre en question des croyances qui peuvent nous limiter dans différents résultats de notre vie? Parce que, comme Henry Ford le disait, si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose ou si vous pensez que vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous avez raison. Hey, c'est-tu bon, ça? C'est ça, là, moi, ça me parle terriblement. On appelle ça, en psychologie, le sentiment d'efficacité personnelle. La croyance que vous avez que vous pouvez réussir quelque chose est plus importante que vos aptitudes ou vos talents. Pourquoi? Parce que vous allez persévérer si vous croyez que vous êtes capable. Et pour ça, j'ai un excellent exemple. J'ai un ami, un très grand ami, qui me dit, « Moi, Pierrette, l'anglais, c'est pas pour moi. Parle pas bien anglais. » Il est brillant, ça n'a pas d'allure, mais il se fait croire qu'en anglais, il n'est pas bon. Puis là, j'ai dit, « Mais mon cher ami, combien d'heures tu pratiques par jour? » Bien, je ne pratique pas. Il n'est pas bon. Voyez-vous l'idée? Donc, mais c'est la même chose. Puis je vous avoue que j'ai passé par là aussi. Moi, ça fait 4 à 5 ans que j'ai décidé de devenir bilingue pour faire des conférences dans le Canada. Mais avant ça, il y avait plein de gens qui m'avaient dit, « Tu sais, là, tu ne peux pas devenir bilingue après 26 ans, là, 4 ans. » Là, moi, j'ai dit... Non, moi, j'achète pas ça. J'ai dit, 26 ans ou pas, on va devenir bilingue. Alors, à un moment donné, j'ai remis cette croyance-là en question, puis on disait, « Ah, tu sais, avec un accent québécois, tu ne seras jamais engagé, tout ça. » À partir du moment où j'ai décidé que je n'adhérais plus à cette croyance-là, là, je ne vous dis pas que tu mets un dictionnaire en dessous de l'oreiller, puis ça marche, là, que tu deviens bilingue, c'est pas de même. 2 heures par jour, je vous jure que dans 4 ans, vous allez savoir une couple de mots. Hein? Donc, mais si je crois que je ne suis pas capable de faire quelque chose, ou ma croyance peut être envers l'autre, il ne voudra jamais, il n'acceptera jamais, il est trop compétitif, je ne peux pas collaborer avec, je vais l'aborder d'une certaine façon qui va venir, ce qu'on appelle la prophétie autoréalisante, ça va venir valider ce que je croyais. Si je crois que tu n'es pas parlable, je ne vais pas te parler. Fait que tu vas rester pas parlable. Alors, si je crois que je ne suis pas capable de m'améliorer sur quelque chose, alors les croyances, c'est fondamental. Thank you.